piège. Agneau. Écoute bien. A, A, gno. Il y a combien de syllabes? Il y a deux syllabes. Alors la première syllabe? A. Bravo. La deuxième syllabe? Gno. Très, très bien. Alors voilà la première syllabe, la deuxième syllabe. Alors maintenant, où tu vois la lettre qui fait le son? Où tu vois les lettres qui font le son nié? Où tu vois, dans la première syllabe ou dans la deuxième syllabe? Dans la deuxième syllabe. Alors tu peux me dire les lettres qui font le son nié? Ce sont les lettres qui font le son nié, ce sont les lettres GN. Bravo, GN. Font le son nié. Alors, je repasse les lettres GN. Merci, Litej. Et je vais écrire la syllabe qui contient le son A, qui contient les lettres qui font le son nié. C'est la syllabe. Lis la syllabe. Nio. Nio. Merci beaucoup. Va t'asseoir. Voilà, je vais écrire la syllabe Nio. GN font le son nié. Et j'ajoute E, A, I qui font le son O. Nié. O. Nio. Nio. Quand j'enlève, oh, ça reste nié. Nié. Bravo, Imran. Merci beaucoup. Alors, je vais écrire nié. A qui s'écrit avec les lettres GN. GN pour le son nié. Vas-y, d'ailleurs. Écoute bien. Chant, ti, nion. Il y a combien de syllabes? Tu peux me dire la première syllabe? Chant. Bravo. La deuxième syllabe? Pi. La troisième syllabe? Nian. Très bien. Alors maintenant, tu peux me dire où tu vois les lettres qui font le son nié. Est-ce que tu vois dans la première syllabe chant, ou dans la deuxième syllabe pi, ou dans la troisième syllabe nian? La troisième syllabe nian. Bravo. Alors tu vois les lettres qui font le son nié dans la troisième syllabe. Bravo. Arrêtez s'il vous plaît. Voilà, chant. Pignon. Alors maintenant, tu peux me dire les lettres qui font le son nié? Li. Oui, G. G, N. Bravo, mademoiselle. Alors, je repasse les lettres. G, N. Voilà, la lettre G et la lettre N font le son nié. Voilà, je repasse. Et je vais écrire la syllabe qui contient les lettres qui font le son nié. C'est la syllabe. Tu peux me lire la syllabe? Nion, bravo, idée. Je vais écrire la syllabe qui contient les lettres qui font le son nié. C'est la syllabe nion. Alors, j'ai un pour le son nié et j'ajoute les lettres O, N qui font le son O et S, la marque du pluriel. Alors, voilà la syllabe nion. Nion, écoute bien. Nion, quand j'enlève, on s'arrête. Nié, bravo Youssouf, merci beaucoup. C'est écrit avec les lettres GN. GN font le son nié. Poids, nié. Écoute bien. Poids, nié. Il y a combien de syllabes? Syllabes. Bravo. Tu peux me dire la première syllabe? Poids. Poids, très bien. La deuxième syllabe? Nié. Tu vois les lettres qui font le son nié? Je veux une phrase. Où tu vois les lettres qui font le son nié? Regarde très bien. Je vois les lettres qui font le son nié. Bravo, dans la deuxième syllabe. Ah, excusez-moi, dans la deuxième syllabe. Bravo. Alors voilà, je repasse les lettres qui font le son nié. C'est la lettre G et la lettre N. GN font le son nié. Et je vais écrire la syllabe qui contient les lettres qui font le son nié. C'est la syllabe. Dis la syllabe. Nié. Nié. Bravo, monsieur. Tu vas t'asseoir. Merci beaucoup. Alors, je vais écrire la syllabe nié. Nié. Et. Nié. Et. Nié. 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 Quand j'enlève et ça reste. Nié. Nié. Bravo. Alors, aujourd'hui, on a étudié le son nié qui s'écrit avec les lettres GN. GN font le son nié. Le son nié. Alors, je vais lire maintenant. Excusez-moi. Voilà ma règle. Le son nié. GN font le son nié. 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 Un agneau. Nio.
c'est un agneau. Des champignons, gnon, gnie, ce sont des champignons. Le poignet, gnie, gnie. Le poignet, c'est le poignet. Le sang, gnie, gnie. Maintenant, qui passe au tableau? C'est un agneau. C'est un agneau. Très bien. Des champignons. Nian, nian. Ce sont des champignons. Très bien. Le bois, nian, nian, nian. Oui. C'est le poignet. Oui, c'est un poignet. Parfait, Riyad. Alors, lis maintenant le son. Très bien. Alors, GM pour le son. Nien. Nien. Bravo, Riyad. Parfait. Passe-moi le 5. Très bien.